Bienvenue sur la 15e édition du Trail de la Sainte-Baume 2023, troisième épreuve du Challenge des Trails de Provence. Organisé par le Trail Club de Provence, le Trail de la Sainte-Baume se déroule au départ de Cuges-les-Pins, au pied du versant sud du massif de la Sainte-Baume. Au programme, trois parcours, la Manon des Sources, 15 km, la boucle cugeoise, 25 km et la Grande Baume, 47 km. À travers ce reportage, nous allons vous faire revivre cet événement de l'intérieur sur les deux plus grands parcours, à l'aide de caméras embarquées, et ça commence maintenant avec le parcours de la Grande Baume, 47 km. Hamid, dans 30 minutes, tu vas t'engager sur le parcours le plus technique et sauvage de cet événement. Pourquoi avoir choisi ce parcours ? Pourquoi ? C'est un bien grand mot. Ben, à vrai dire, j'ai un collègue qui n'a pas pu faire la course, donc il m'a proposé généreusement de prendre son dossard. Alors, j'ai hésité, parce que c'est une grande première, 47 km, j'ai la pression. Mais bon, on ne peut pas refuser un cadeau, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite à tous une bonne course. Hein, vous prenez bien du plaisir, encouragez-vous entre vous. Restez bien solidaires. Remerciez tous les bénévoles du Trail Club de Provence que vous trouverez sur le parcours. Voilà, vous leur remercierez en passant. 1. Après une première boucle d'échauffement d'un kilomètre dans le village de Cuges-les-Pins, les difficultés arrivent déjà avec la montée à la chapelle Saint-Antoine pour ensuite prendre la direction de la crête de la Sainte-Baume. Le Trail de la Sainte-Baume a fait carton plein pour cette 15e édition avec 1350 coureurs inscrits sur les trois parcours. Bravo les gars. Bravo aux bénévoles et bravo aux coureurs. Tu as tes doudous par bonheur ? C'est exactement. Allez, bonne course. Merci, vous aussi. Allez. Km, ouais. Amusez-vous bien. Salut. Salut. Allez, bonne course. Je sais pas si tu te rappelles, mais bon. Il y a tellement de monde. Bonjour. Bonjour. Allez, bonne course. Allez les gars. Et voilà le premier ravitaillement. Voilà. Du 47, c'est ça? Du 47, tout à fait. Bienvenue. Et bravo à vous. Oui, bravo à toi surtout. Et bravo aux bénévoles aussi. Merci à vous. C'est pour toi. Pareil. Pour toi aussi, j'ai décassé les deux. Il y a une main. Hein. Bravo aux bénévoles. Voilà, bien. Oui. Et bonjour, bonne course, dans la fraîcheur et la bonne humeur pour la montée. Après le premier ravitaillement, les coureurs doivent désormais rejoindre la tant attendue crête de la Sainte-Baume. Cette montée raide est très exigeante, même pour la tête de course. Allez, ça part à gauche, là. Allez, mouvement. Allez, super. Ça va ? Ah, tranquille. Allez, bravo. Allez, bravo. Bravo, ils sont à 2 minutes devant. Ils sont 3 devant, merci. Allez.
Allez, à 3 minutes là. Allez, bravo les gars, bravo. Et bravo. Et maintenant en direction Ribou, nous allons donc redescendre, mais c'est pour mieux remonter. Bonjour. Bonjour, bravo. Ah, ça se passe comment ce début de course? Je pense qu'on est toujours dans les mêmes rythmes que tous les ans, on le fait. J'adore. Et ça va. C'est parti comme des Hugo, tout ça. Ouais. Comme des flèches, j'adore. Mais on peut pas suivre. Hein. Allez, bonne course. Ouais. À toutes. À toutes. Comment ça va, Hugo? Ça va. Allez, super. Merci. Hein? T'as vu? Ils annonçaient du vent et en fait c'est parfait là. Hein, les coups de soleil. J'ai la crème à bronzer si tu veux dans le sac. Bonjour. Un petit cœur, un petit cœur à la vidéo. Pardon? Un cœur, tu me fais un petit cœur. Comment on fait comme ça? Ouais, super. Merci. On verra ce que ça donne. Hein. Bah ouais, écoute. C'est le début de la journée là. C'est... Ouais. Bravo, bravo. Allez, merci. Bravo. Oh. Bon, comment ça se passe? Écoute, c'est toujours un peu dur le matin, je trouve. Tu passes du très froid à très chaud. C'est un peu pénible. Mais ça va, là, le paysage se dégage. Là, c'est cool. Le temps de rejoindre le ravitaillement 2, je vous propose de revivre le départ du 25 km qui a eu lieu à 9h. Allez, tranquillement, ça va débrouiller un petit peu les chevilles, ça va chauffer un petit peu les mollets. Allez, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. 4, 3, 2, 1, c'est parti! Les 10 premiers kilomètres de la boucle cugeoise reprennent la même trace que le parcours de la Grande Baume. Nous allons donc aller directement sur la crête pour voir qui est en tête de cette course. Et salut. Allez, courage. C'est qu'un échauffement. Allez, courage, c'est bien. Allez. Allez, ça grimpe encore, bravo. Merci. Bon courage. À toi aussi. Et bonjour. Et bonjour. Allez, courage. Merci. Allez, bravo. Hello. Sourire aux grimaces pour la caméra. Bon, à sourire, ça va. Arrivés sur la crête de la Sainte-Baume, les coureurs vont prendre la direction du pic de Bertagne.
Pardon, Lise. Bravo. Nous laissons les coureurs du 25 km un court instant pour revenir sur le parcours de la Grande Baume. Allez, la première femme du 47 km. Hey, elle est là. Elle arrive au ravitaillement. Bravo. Noribou. Allez, qui continue avec moi là? Aucun arrêt. Les bénévoles sont là avec le sourire. Ils sont exactement 110 bénévoles qui sont principalement composés du Trail Club de Provence et du comité des fêtes de Cuges-les-Pins. Merci à eux. Allez, un petit geste à la caméra. Merci. On va attaquer la deuxième montée. Ouais, apparemment. Apparemment, elle va piquer. Ah. 18e. Voilà. Ok. Toi, t'es prêt? Bon, je suis prêt, hein. Toujours chargé. Oh, on tient le bon bout là. Oui. Bientôt fini. C'est que le premier tiers. C'est ça. Allez, bonne course. À toi aussi. Je double un pirate. Tu veux faire le marathon cette année? Ouais. C'est vrai? Le marathon des sables. Faites-moi un petit geste. Un petit bisou. PTL ouais. Cette année. Allez, c'est parti pour la montée. C'est parti. Allez, on continue à courir. Les coureurs attaquent désormais la deuxième montée, celle du col du Saint-Pilon. Du sommet. Merci. Bravo. Accessoirement, t'es 189e. T'as presque une heure de retard sur Hugo Deck. Donc réfléchis pour voir comment tu vas faire pour rattraper le coup. Bienvenue au col du Saint-Pilon. Merci. Ça vaut une photo. Ouais, t'as raison. Ah, coucou. Ça va? Ça va et toi? Ouais, grave. Pas les jambes. Ah, c'est normal avec tout ce que tu fais. On va commencer, on va passer où il fait froid, non? C'est par là. Allez. Après une courte descente de 2 km, il faudra à nouveau remonter sur la crête de la Sainte-Baume pour retrouver la trace du parcours 25 km, la boucle cugeoise.
Ça c'est fait. Ouais. Bon courage à toi. Merci. Une fois les crêtes avalées, les coureurs iront du côté de la glacière de Gémenos pour ensuite rejoindre le ravitaillement du col de Bertagne. Alors Laurie, pour ceux qui veulent faire le trail de la Sainte-Baume, qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un super parcours, moi je suis pas d'ici donc je découvre un peu l'environnement. Ça change de chez moi, je viens d'Annecy donc... Ah oui. Voilà. Super parcours, les beaux paysages là, sur les crêtes. Top, je recommande, c'est trop cool. Au col de Bertagne, les parcours se séparent à nouveau. Les coureurs du 25 km prendront la direction du pic de Bertagne, le point culminant des Bouches-du-Rhône avec ses 1042 mètres. Cette dernière montée est raide, mais le panorama en vaut la chandelle. Hé, hey, coucou! Ça va? Oui. Maintenant, ça va mieux. Ça glisse en haut, hein. Faites attention. Merci. BTS, et bonjour. Un petit coucou à la caméra. Bonjour. Jolie lunette. Désormais, les coureurs ont réalisé le plus dur du parcours. Ils prennent la direction du dernier ravitaillement, puis de l'arrivée à Cuges-les-Pins. C'est sur la droite. Alors, ça va? Ça va. Comment ça se passe? Eh ben ça va, hein. Ça va. On ne sait pas s'il y a encore des bleus, mais en tout cas, nous sommes là. Bon, parfait. Direction le ravitaillement. Comment? Direction le ravitaillement. Il y a encore un ravitaillement? Oui. Retour au ravitaillement du col de Bertagne avec, cette fois, le parcours de la Grande Baume, 47 km. Super le ravitaillement, super les bénévoles. Là ? Oui, dans la grotte. Ouais. T'inquiète pas, c'est pas une guet-apens. La grotte de la Grande Baume est un passage emblématique de ce parcours. Elle est ouverte des deux côtés. Autrefois, les bergers empruntaient ce chemin lors de la transhumance. La grotte fut d'ailleurs pendant longtemps utilisée comme bergerie. Salut. Allez, coucou.
Allez Maëlle, je sais que t'appelles Maëlle parce qu'il y a la famille en bas. Bravo. Allez, bravo. Bravo, super course. Et ça se colle, elle, là. Merci. Putain, qui est dur. Yes. Et ben voilà, première féminine. Bravo. Bravo. Merci. Allez, c'est lui. Non, mais c'est pas possible, toi. Il est partout. Il a raison, il y a un mur. Au 35e kilomètre, les coureurs attaquent enfin la dernière difficulté. Ils graviront la terrible montée du vallon du Fauge. Oui, bravo. Allez, t'as fait le plus dur. 25 est bien passé. Ouais. Donc là, il restera pas beaucoup de monde à mon avis. Non, je pense qu'on verra bien. Normalement que ça file, mais là, maintenant, c'est 45. Ouais. Allez, bravo. On a rejoint le parcours du 25 km. Désormais, direction Cuges-les-Pins. On ne descend pas maintenant. Descend pas, c'est à l'arrivée. Coca. On ne descend pas, c'est terminé. Tu veux rien? Il y a un petit truc à manger? C'est bon? Allez, parfait. Allez, 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 vous. Tes sensations là, courir avec des sandales? C'est un peu technique en descente, mais on s'amuse. C'est marrant. En tout cas, t'es bien classé, hein. Il reste combien de kilomètres? 5 kilomètres. Ok. Un dernier petit coup de cul. Et après, ça va. Bon bah allons-y alors. Tu vas te... Pascalou, ça va mon Pascalou? Ah, tu étais deuxième quand je t'ai filmé. Et maintenant te voilà en première place. Ça fait plaisir. Ah, j'en reviens pas là. Voilà. Eh bien, écoute, les trails de la Sainte-Bonne, ça déchire. Surtout quand on finit première. Alors là, c'est cadeau, je l'attendais pas. Je vais juste le finir et... C'est trop bien. Le sourire jusqu'aux oreilles. Allez, bon bah... Allez. Bon finish. Yes, toi aussi. Ciao. Et merci. Allez les gars, allez. Allez, dernier single là. On lâche tout. Bon courage. Nous profitons de cette dernière descente pour laisser la parole à Pierre Kaftandian, l'organisateur du trail de la Sainte-Baume. Non, j'espère que tous les coureurs sont... éclaté, vous avez pris bien du plaisir. Nous, le but du trail de la Sainte-Baume, c'est vraiment de faire découvrir ce magnifique massif et que vous éclatiez bien. Et voilà, c'est ça le trail, c'est un contact avec la nature directe, un effort sportif mais simple. Et si on vous apporte, si on vous a tous apporté du plaisir, ben c'est pari réussi. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine. C'est pas le même rythme, hein, le 47. Hein. C'est des machines. Hein. Et on est sur le 27. Bravo. Bravo. L'heure qui tient à Lille, 5h. Est-ce que tu peux me montrer le t-shirt, s'il te plaît? Bien sûr. Magnifique t-shirt. Bravo encore. Merci. Et ah, c'est le premier du 25, pardon. L'arrivée de Mathieu, c'est lui qui a gagné le 25 km, qui a tout donné comme à son habitude, autant pour moi. Bravo Mathieu, une grosse bagarre avec. Il est tombé en plus. Grosse bagarre avec Pierre Casté. Bravo, félicitations. Il s'agit de Julien Brunet qui boucle 1h04, le parcours de 15 km. Bravo.
Nous espérons que ce reportage vous aura plu. Bravo à tous les participants, qu'ils soient finishers ou non. Merci aux partenaires, merci aux organisateurs pour leur confiance. Merci également aux bénévoles et aux secouristes. À bientôt pour de nouveaux reportages.